Cours en direct de ma chambre d'hôtel à Bayonne. Cours santé articulaire, santé du dos, ça va être très très doux aujourd'hui. J'attends les connexions et on démarre. Donc dès que vous êtes connecté, un petit pouce bleu pour me dire si le son et la vidéo sont bons. Si c'est pas le cas, mettre un petit commentaire, que je sache tout de suite les réglages à faire. Prévoyez une chaise, prévoyez une bouteille d'eau, une serviette si vous avez chaud. Ah, voilà les premières connexions. Bonjour, coucou. Et une bouteille d'eau. Et une serviette, il fait chaud. Hein. Je ne sais pas si chez vous il fait chaud, mais ici, il fait très chaud. À Bayonne, en direct de la chambre d'hôtel. Voilà, souhaitant que le Wi-Fi passe pendant toute la séance. Alors, je ne sais pas si vous remarquez à chaque début de ces lives, ben je chauffe mes mains comme ça, là, je les frotte, etc. Je le fais souvent d'ailleurs en parlant, etc. Alors ça, ça permet, c'est inconscient pratiquement, mais ça permet de faire circuler l'énergie dans le corps. Hein, l'énergie sort par les mains souvent. Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. Je n'ai pas encore les commentaires. Dès que vous connectez, dites-moi si le son et la vidéo sont bons. Ah, coucou. Chantal, salut. Voilà, dites-moi avec un petit pouce bleu. Un seul pouce bleu, ça suffit pour me dire ok, c'est bon. Ok, j'entends, ok, je vois. Et en attendant que toutes les connexions arrivent, faites ce que je fais là, chauffez vos mains, faites monter l'énergie dans les mains. C'est toujours bon de faire monter l'énergie. Allez. Bayonne, Bayonne, une belle ville et une belle chaleur, bien moite, on va avoir chaud. Allez, j'attends encore une minute 32 secondes et on commence. J'espère que vous allez bien. Ah, voilà, Janine, Ronnie. Mais pourquoi toujours les commentaires sont longs? Salut, salut! Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Et est-ce que vous voyez bien aussi? Donc, une chaise, une serviette, une bouteille d'eau. On va faire du doux, doux, du tranquille, mais de l'utile. Vous allez voir des inspirations Qigong, des inspirations Feldenkrais. Feldenkrais, une méthode d'un médecin allemand, méthode de mobilité. Enfin, tout ça, c'est des inspirations qui permettent d'avoir un cours santé assez complet. Allez, donc on va démarrer tranquillement. Donc, vous êtes debout, souple sur votre posture debout. Si vraiment vous avez du mal à rester debout, mettez-vous sur la chaise. Beaucoup de mouvements peuvent se faire assis, on travaillera assis tout à l'heure. Pour l'instant, debout, et on va juste intérioriser un petit peu ce moment. Vous allez vous retrouver avec vous-même, le plus facile c'est de fermer les yeux pour se recentrer sur soi-même. Donc vous n'allez pas, mais le fait de dire ça, de toute façon, ça va quand même agir sur votre respiration. Vous n'allez pas forcer votre respiration, vous allez la laisser naturelle. Mais c'est évident que quand je dis ça, je sais que moi le premier, je vais ralentir ma respiration naturellement. Mais c'est pas grave, on la laisse naturelle et vous allez essayer de sentir le mouvement de votre cage thoracique qui s'ouvre à l'inspire et qui se ferme à l'expire. Normalement, naturellement, quand vous inspirez, le diaphragme descend, donc le ventre va sortir légèrement. Et quand vous soufflez, le diaphragme remonte et le ventre, lui, rentre légèrement. Il y a le diaphragme qui est un muscle, le muscle de l'inspiration, il se contracte à l'inspire, il se relâche à l'expire.
Et il y a le transverse qui fait l'inverse, le muscle profond du ventre qui lui se relâche à l'inspire et se contracte à l'expire. C'est lui qui fait rentrer le ventre. Donc là, il y a déjà trois choses sur lesquelles vous devez vous concentrer. Ça va être la sensation d'ouverture des côtes, la sensation d'abaissement du diaphragme et la sensation du ventre qui se gonfle, tout ça sur l'inspire. Sur l'expire, les côtes se resserrent, le ventre rentre et le diaphragme remonte. Faites tout ça en étant bien souple sur vos appuis, sur vos genoux, bien souple dans vos épaules, dans vos bras. Avoir un port de tête correct, suivant votre naturel. Allez, encore un peu, juste vous sentez cette respiration, tout ce qu'elle engage comme mouvement. Vous savez que le corps est pratiquement jamais immobile en fait. Même quand on se dit, voilà, je bouge plus, je reste droit, il va toujours, et vous allez le sentir là peut-être si vous êtes concentré, il va toujours s'équilibrer, soit en avant, soit en arrière, soit sur un pied, soit sur l'autre, un peu comme... Comme un arbre hein, ballotté par le vent qui s'équilibre toujours et qui cherche toujours la verticalité. Ben, nous, c'est pareil, l'être humain cherche toujours la verticalité. Et c'est pour ça que le corps est en permanence en rééquilibrage. Allez, voilà. Donc là, essayez de prendre cette conscience-là de la non-immobilité du corps, le transfert, la recherche d'équilibre. On va jouer de ça un petit peu sur les prochains mouvements, c'est-à-dire quand vous allez inspirer, vous allez amener le corps légèrement vers l'avant, quand vous allez souffler, il va revenir en position d'équilibre, un peu plus sur les talons. Inspire, avant, expire, arrière. Alors il y a deux types de personnes, il y a des personnes qui ont plutôt le poids du corps régulièrement vers l'avant. C'est mon cas. J'ai les pieds qui sont, quand je marche, notamment un peu vers l'intérieur. C'est de famille, ça. Et donc, je suis toujours un peu... mon centre de gravité est plutôt vers l'avant. Si vous avez plutôt une posture, une attitude naturelle, pieds ouverts, votre posture d'équilibre sera plutôt vers l'arrière, plutôt sur les talons. D'accord ? Il y a deux façons. Ou alors, après, il y en a aussi qu'on appelle neutres, hein, qui ont les pieds plutôt dans l'axe. Et là, ils ont un équilibre un peu plus au centre du pied. Voilà. Mais là, nous, on va jouer sur les deux sensations. J'inspire, mon corps va vers l'avant, je souffle, le corps vient vers l'arrière. Encore une fois, inspire avant, inspire arrière. Allez, dernière fois. Yes, voilà. Vous pouvez réouvrir les yeux. Pensez à relâcher vraiment à vous, à sentir la pesanteur en fait, vous faire comme si vous vous alliez vous asseoir, mais vous restez debout et vous restez en équilibre. Mais voilà, les genoux sont souples, le poids du corps, vous le sentez bien dans vos chevilles et dans vos pieds qui sont bien posés à plat. Relâchez les épaules et vous allez amener la tête vers l'arrière et vers l'avant en soufflant. Arrière. Alors les premiers mouvements, c'est contrôlé, hein. Et puis, au bout du troisième, vous allez essayer d'aller un petit peu plus loin. Tout ça sans serrer la mâchoire, sans serrer les dents. Un petit peu plus loin vers l'avant. Et tout ça sans engager les épaules, hein, sans engager non plus le corps. Il n'y a pas de mouvement avec la colonne, il n'y a que votre tête qui bouge. Le reste du corps, il est assis. Assis debout, assis sur les genoux. Il est posé. Voilà, poser, c'est le mot que je cherchais, poser. Encore un. Ok, en latéral, on regarde sur le côté. Même chose, évitez, quand vous faites ce mouvement, que votre corps ne tourne. Naturellement, il a envie de tourner, hein. C'est normal, le corps travaille toujours en synergie, plusieurs mouvements à la fois, plusieurs muscles. Mais là, on va essayer de le séparer, les mouvements de la tête, de diviser ce corps, on sépare les mouvements de la tête du reste du corps.
et toujours relâcher la mâchoire. Et bien sûr, sur le troisième, quatrième passage, vous commencez à essayer d'aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire de vouloir faire que votre menton aille un peu plus loin au-dessus de votre épaule. Je vais ouvrir un peu la fenêtre, je vais fermer parce qu'il y a beaucoup de bruit, c'est la ville. Mais il fait super chaud dans la chambre. Comme je refuse de mettre la clim parce que c'est vecteur de microbes, de virus, c'est pas le moment. Ok, dernier travail pour la nuque, l'inclinaison. Alors là, c'est pareil, on évite la contraction des muscles trapèzes et on va amener l'oreille sur le côté. Faites tous ces mouvements sans progressivement, quoi, sans jugement, sans dire ouais, c'est raide, je vais forcer tout de suite. Non, vous laissez. Ok, bah, c'est raide, okay, c'est plus raide d'un côté que de l'autre, d'accord. C'est pas grave, on va vous allez juste au bout du 3, 4e mouvement essayer d'aller un petit peu plus loin, mais sans forcer. Alors là aussi, sur ce mouvement-là qui paraît simple, il peut y avoir des petits mouvements parasites, c'est-à-dire que votre menton peut se tourner vers l'épaule. Vous pensez aller plus loin sur le côté et vous tournez le menton vers l'épaule. C'est normal, le corps cherche. Ou l'inverse, c'est essayer d'aller plus loin en cambrant comme ça la nuque. Je voyais souvent ça en cours. On essaye d'aller plus loin et je lève le menton pour libérer le passage, enfin pour libérer le mouvement. Alors que là, on va essayer, vous allez essayer de garder vraiment le menton dans l'axe comme s'il était fixé à un point. Et on vient incliner la tête autour de ce point. La longueur, la distance entre le menton et le sternum reste identique. Bien. Eh bien, on va faire un mouvement dans chaque direction. C'est-à-dire, je vous montre, je mets la tête vers l'avant. Enfin, c'est tout simple, vers l'arrière. Là, je tourne à gauche, à droite. Et donc, j'incline à gauche, à droite. On le fait ensemble, vers l'avant. Et là, on va aller d'abord vers la droite ensuite. Hein. Vers l'arrière, rotation, torsion à droite, torsion à gauche, inclinaison à droite, inclinaison à gauche, et une fois encore, avant. Pensez au corps, fixe, rien, sans contraction, à gauche, à droite, à gauche. Pensez au point fixe, le menton à droite. Dernière fois, inclinaison avant, arrière, sans contraction de la mâchoire, à droite, sans bouger les épaules, et vous relâchez. Bien. Vous allez prendre une posture un petit peu plus large que la largeur des hanches, à peine plus large. C'est juste pour qu'on ait une meilleure sensation, parce qu'on va transférer le poids du corps sur une jambe et puis sur l'autre. Et si on est trop serré, ça va entraîner un déséquilibre et je veux que vous restiez en équilibre. Tout simplement, vous pouvez fermer les yeux à nouveau. Hein. De toute façon, je vais tout expliquer, donc vous pouvez suivre avec l'oreille pour bien ressentir le transfert du poids du corps et surtout aussi l'action que ça va avoir sur vos genoux. Donc c'est tout simple, vous allez mettre beaucoup plus de poids sur le pied droit. Donc le corps, il reste. Ouvrez les yeux si vous les aviez fermés, juste pour voir le mouvement. Le corps reste sur un axe comme ça que je vais incliner. C'est-à-dire, je n'incline pas ma colonne vertébrale, j'incline tout le corps, de la tête au bassin, vers ma jambe droite. Et en faisant ça, je vais libérer un petit peu le genou qui va supporter le poids du corps. Donc, ça, vous allez sentir, quand vous allez bien concentré, les yeux fermés, la contraction que ça engage au niveau de la cuisse, le poids du corps sur le pied et peut-être un travaille au niveau du mollet aussi, tendon d'Achille mollet, puisque là, tout ça permet de garder ce statique sur une jambe. Et ensuite, vous reviendrez. Et on va faire toujours du même côté. On va le faire 8 fois. Et je vais vraiment vous demander de vous concentrer, sans chercher à trop fléchir la jambe, mais juste ce qu'il faut pour sentir tout ce travail musculaire au niveau de la cuisse, du mollet, du genou. Vous allez faire ce mouvement, il faut pas vous pencher vers l'avant. Ou, bon, vers l'arrière, c'est moins probable. Mais il faut éviter de se pencher. On reste vertical sur sa posture de départ et quand on s'incline, c'est comme si on était entre deux murs. En fait, je m'incline sur ma jambe.
en amenant tout l'axe du corps en inclinaison. Fléchissez la jambe droite et vous revenez. On y va? Allez, on se centre sur soi, on relâche le haut du corps. Je sens que là, le poids du corps, il est bien au centre. Mes deux pieds ont la même charge. Et doucement, vous transférez le corps sans incliner la colonne vertébrale, juste tout le corps vient s'appuyer sur la jambe droite. Fléchissez le genou un petit peu plus. Le pied gauche est à la limite de se lever, hein, sans se lever. Et on revient. Je repousse et je sens la cuisse qui se contracte. Allez encore, 8 fois, le deuxième. On reste un petit peu, 1 à 2 secondes. Et vous sentez comme c'est physiquement difficile, hein. Enfin, il y a beaucoup de tensions musculaires qui se mettent là. Hein. Et on revient. Encore. On a presque, je pense qu'on est à 75-80% du tout le poids du corps sur une jambe. Ici, il y a, allez, 20, même pas 10% du poids. Moi, je suis même à moins puisque mon pied est pratiquement décollé. Et on revient. Allez, encore. Et vous allez sentir votre cuisse travailler. C'est tout bête, hein, mais c'est déjà un gros travail. Et on revient. Poussez. Alors, c'est pareil, quand vous êtes ici en équilibre, essayez de plier un petit peu plus là, le genou. Pour revenir, n'utilisez pas les bras comme balancier. Les bras sont complètement relâchés le long du corps. Je reviens, rien qu'en poussant avec mon genou. Allez, encore. On plie. Et on revient. Allez, encore. On va le faire encore 2 fois. Descendez un petit peu plus. Essayez de mettre encore plus de poids sur cette jambe. Ici, on est pratiquement décollé. On n'a plus de poids sur la jambe. Et on revient. Je pense que vous sentez, hein, le travail musculaire. Vous me direz dans les commentaires quand on fera une petite pause. Et dernière fois. Allez, on laisse, on laisse, on laisse. Attention, vous êtes peut-être penché en avant. Remettez le corps dans l'axe. Sentez la différence quand il est dans l'axe verticalement. Et on revient. Yes. Faites cet axe-là avant-arrière, c'est le plan sagittal. Et l'axe latéral, c'est celui-là. Donc là, on est vertical au niveau sagittal, au niveau plan sagittal. Je ne suis pas penché en avant ni en arrière. Donc les mêmes consignes pour l'autre jambe. Vous avez certainement senti votre cuisse et votre mollet travailler. Prenez une posture large. Replacez le corps bien en équilibre. La tête bien placée, unie avec le bassin. Je viens transférer, je vous laisse commencer. Le poids du corps sur la jambe gauche. Le corps est légèrement incliné sur le côté pour mettre le poids sur la jambe gauche, mais il n'est pas penché en avant ni en arrière. Les épaules sont relâchées, la tête, elle est tenue dans l'axe du corps. Et on revient. Et on change. Alors si vous avez mal au genou, pliez moins le genou, d'accord? J'ai oublié de le dire sur le genou droit, mais ça va de soi, hein. On ne va pas dans la douleur, on le mobilise juste comme il faut. Ça permet d'entretenir l'articulation du genou, hein, la flexion avec le poids ici, et on revient. Mais ici, il y a plusieurs articulations, cartilages qui se nourrissent sur ce mouvement. Il y a le cartilage de la cheville, tous les cartilages des os du pied. Il y a la hanche aussi. Et le fait d'être ici sur une jambe, bah ça tonifie la cuisse, le mollet, mais aussi le moyen fessier et le muscle profond qu'on appelle le piriforme. Et reviens. Allez, encore 2 fois. Un petit peu plus bas, un petit peu plus bas. Pense à tout l'équilibre du corps. Bien axé. On libère pratiquement la jambe droite. Là, il n'y a plus de force. Et on revient. Dernier. Descends un petit peu plus. Ok, relâchez un petit peu, marchez un petit peu. Si vous l'avez bien fait, enfin moi je le sens, c'est peut-être que je suis faible, mais je sens que ça a beaucoup travaillé au niveau des cuisses pour un mouvement où il y a très peu d'amplitude. Marquez-moi si vous avez le temps dans les commentaires si vous avez bien senti le travail de cuisses. Ok. Ici, on va travailler sur les inclinaisons à nouveau, mais là on va couper le corps en deux, c'est-à-dire qu'on va laisser les jambes souples et fixes à la fois. Et je vais incliner mon corps sur le côté, incliner. Donc là, le poids du corps, vous allez le sentir, il va se transférer sur la jambe du côté de l'inclinaison, mais un peu moins. Tout à l'heure, on était à 80-20 ou 90-10%.
Là, on va être à 60-40%, d'accord? Mais vous allez quand même essayer de vous concentrer pour ressentir ce travail. Et c'est la même chose, vous êtes entre deux, comme entre deux murs, quand vous inclinez, vous restez dans l'axe sagittal. Vous n'allez pas aller vers l'avant ou cambrer le corps, on reste bien dans l'axe. Mes bras sont comme morts, largeur de hanche, les pieds un peu plus larges que les hanches. Et je vous laisse vous incliner. Inclinez-vous. Je vous laisse. Voilà, inclinaison de la colonne. Vous avez vu, la tête a suivi le mouvement. On laisse descendre, on laisse descendre. Et sentez le poids du corps sur cette jambe droite. Si vous inclinez à droite et remontez. Et on change. Là, on travaille sur les cartilages les disques intervertébraux. Qui sont des plutôt fibreux et surtout gorgés d'eau, 90% de l'eau. Donc on les hydrate en les faisant comme ça, en les mobilisant. Soufflez quand vous remontez, sentez que le poids du corps se transfère du côté de l'inclinaison. Et c'est comme tout à l'heure sur le mouvement de la nuque, quand on inclinait la tête, il faut éviter que l'épaule, que le corps tourne sur le côté, que les épaules tournent vers l'avant ou vers l'arrière quand on s'incline, on essaye de garder les épaules dans leur plan sagittal juste. Et on change, souple sur les genoux, descend, descend. Essaye d'aller un peu plus loin sur le côté, sans monter l'épaule qui est vers le plafond. Cette épaule elle est relâchée, le bras il est posé. Et on change encore. Là vous allez vous concentrer sur quel muscle se contracte pour que mon corps se redresse. Essayez de sentir qu'est-ce qui se contracte. Allez, encore une fois de chaque côté. Là, vous pouvez essayer d'aller vraiment plus bas. Et on sent bien la colonne vertébrale travailler. Il y a deux muscles qui vont du bassin jusque derrière le crâne et qui filent le long de la colonne vertébrale et c'est eux qui se contractent pour remonter. Aidé par les abdominaux et les obliques, qui sont des abdominaux aussi. Bien, pas mal. Alors maintenant, on va faire ce que j'ai dit de ne pas faire tout à l'heure, c'est-à-dire vous allez faire tourner les épaules, et ensuite, mes pieds, mes jambes sont fixes, elles restent de face, les pieds restent de face, je tourne les épaules face à une jambe. Vous remarquez, quand vous allez faire ça, vous allez remarquer que votre hanche tourne aussi. On ne va pas bloquer le bassin pour juste tourner le dos. On tourne la hanche, le genou aussi se met un petit peu en torsion. Et là, je vais m'incliner vers cette jambe droite. Donc là, tout le poids du corps va être sur mon pied droit. Le pied gauche, lui, il va être tout le poids du corps, 80% ou 90%. Le pied gauche, lui, va être très allégé. Et regardez bien, mon dos reste naturel. J'ai pas de dos rond, j'en roule pas. J'essaie de gonfler la poitrine. Je vais descendre le plus bas possible sans enrouler. Et on remonte. Et revient dans l'axe. Ce travail-là va mobiliser les genoux. Vous allez sentir un travail sur les genoux, un travail sur le dos certainement, un travail sur les cuisses, les fessiers. Enfin, il y a plein de choses qui se mettent en place. On change de côté à chaque fois. Je tourne vers les épaules sans bouger les pieds. Les hanches et le genou viennent un peu vers l'intérieur. Je vais du côté gauche. Je garde le creux lombaire. Je garde la tête toujours avec le menton à la même distance du sternum et j'essaye de descendre le plus bas possible. Mes genoux sont souples et remontent. Et reviens. Et on change. Allez, on le fait 6 fois. Ah, ça, il y a beaucoup de choses à penser, mais vous prenez le temps pour y penser. Sentez le poids du corps, hein, la différence entre les deux pieds. Et on revient. Et change. Allez. On muscle. On assouplit et on rend plus mobile notre corps. Allez, encore une fois de chaque côté. Garde la tête toujours bien placée. Et dernière. Dernier travail
de mobilité, vous gardez la même position, genoux souples, largeur, les pieds plus larges que les hanches, et là vous allez laisser le corps se pencher vers l'avant. Les genoux restent souples, on laisse le corps se pencher, et quand c'est nécessaire, on le laisse s'enrouler. Il n'y a pas là, on ne cherche pas à contrôler le dos, on le laisse faire naturellement. Vous laissez aller, vous ne forcez pas pour descendre, vous laissez aller le corps, il va descendre progressivement. Lâchez la tête aussi, ne regardez pas devant, ne regardez pas l'écran pour l'instant, laissez la tête tomber, le regard est dirigé plutôt entre les genoux. Attention pour vous relever, là vous pouvez regarder l'écran, vous allez plier les genoux jusqu'à ce que votre ventre se pose sur vos cuisses. À partir de là, je pose les mains sur mes genoux et là je vais aplatir le dos, c'est important. Une fois que mon dos est plat, s'il n'y a plus de danger, on ne va pas se coincer un disque, on ne va pas se créer une sciatique et, ou une hernie, on remonte. Mais, d'accord, si ici je remonte comme ça, là il y a beaucoup de danger parce que les vertèbres se plient comme ça hein, et ça s'ouvre vers l'extérieur. Si je remonte, je risque de pincer à chaque étage les disques intervertébraux et créer des problèmes, en tout cas les nécroser. Donc, quand on est penché en avant ici, il faut plier les genoux assez pour avoir le ventre qui se pose. Ensuite, je m'aide avec les mains pour recambrer le bas du dos. Une fois que je suis là, mon dos ne va plus travailler, ma colonne est replacée, mes disques sont bien placés. J'ai juste à pousser dans les cuisses et là, ce sont mes cuisses et mes fessiers qui me remontent. Hein, c'est un travail de hanche et c'est prévu pour. On y va, on refait ça 6-7 fois. Donc le premier travail, c'est je laisse descendre. Mes genoux sont souples, je laisse glisser, je laisse. Mes épaules sont même enroulées vers l'avant. La tête est enroulée un peu vers l'avant, sans forcer. Et vous laissez descendre. Et vous allez voir, déjà au deuxième passage, vous allez descendre un peu plus bas. Le corps est rassuré, il se libère. Pliez les jambes, laissez la poitrine se poser sur les genoux. Regardez, je suis très plié. Hein. Essayez, comme ça vous travaillez les cuisses. Les mains sur les genoux, aplatissez le dos. Donc, je suis plié ici, mon dos est toujours rond. Là, je viens en cambreur, je sens que les lombaires se sont contractés, et bien j'ai plus qu'à remonter. Boum! On y retourne. Allez, on descend. Là, on laisse aller, 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 on laisse aller. On va rajouter juste une petite extension des genoux. Essayez de tendre les genoux un petit peu. Sentez l'étirement derrière les genoux, dans les mollets peut-être, derrière les cuisses. Maintenant, une belle flexion de jambes. On descend les fesses. La poitrine se pose sur le dos. Sur le dos. La poitrine se pose sur les cuisses. Pousse dans les bras pour aplatir ton dos. C'est déjà presque relevé. Et on relève. Allez, on le fait deux fois. Si vos mains ne touchaient pas le sol, elles doivent être très proches maintenant. Et si elles touchaient le sol, vous pouvez peut-être plier les doigts. Moi, je peux poser le dos des mains au sol. Maintenant. Voilà, on laisse faire. On laisse faire. Relâchez le souffle. Relâchez, relâchez, relâchez les épaules, la tête. Pliez. Max, encore un peu plus. Pliez un peu plus. Presque accroupi. Main sur genou. Creusez le bas du dos. Et redressez. Dernière fois. Pliez les mains. Aplatis le bas du dos, creuse-le et redresse. Bien. Super. Allez, vous allez vous asseoir sur votre chaise. Alors vous avez vu, au fil des mouvements, vous sentez que le corps se libère, hein, les muscles se libèrent. En fait, il faut toujours voir son corps comme, l'image que j'ai souvent, c'est l'image d'un chien qu'on veut caresser. Si j'avance la main trop vite vers le chien, il va me mordre, je vais le surprendre. Ben, le muscle qu'on veut étirer, c'est la même chose. Si je vais trop vite dans un mouvement, il va me mordre, il va être surpris. Et son réflexe, on appelle ça le réflexe myotatique, ça va être de se contracter, comme une mâchoire qui se ferme. Donc il faut rassurer notre corps en allant doucement sur les mouvements, en pensant
en vidant son cerveau ou en ayant des pensées positives, on y va tranquillement et petit à petit, le corps se libère comme un chien qu'on apprivoise et qu'on finit par pouvoir caresser sans risque de morsure. C'est la même chose pour le corps humain. Ok, on est assis ici sur notre chaise. Vous êtes assis sur la chaise en bout de chaise. Le dos est loin du dossier et le corps est comme quand vous étiez debout, vertical, avec un bon placement de la nuque et toujours en gros un point d'écart entre le haut du sternum et le menton. Les épaules relaxent sans les forcer vers le bas, on les laisse juste relâcher. Les pieds largeur du bassin, c'est tout simple. Et là, on va travailler la contraction d'une fesse. Je vais venir contracter mon fessier droit et normalement, ça se voit peut-être à la caméra, ça va faire monter du côté où le muscle se contracte, la fesse devient une petite boule de muscle, la fesse droite, tac. Donc ici, la taille se raccourcit du côté de la contraction, le bassin se décale, boum, et ensuite je relâche. Ce que vous allez vraiment faire, c'est contracter le plus fort possible la fesse droite, et quand vous le relâchez, c'est comme un interrupteur on-off, on éteint, ça relâche, et vous laissez retomber le corps. Donc, je monte la fesse. Sur le lit, c'est un peu dur. Je vais prendre la chaise. Sinon, j'ai moins de sensations. Là, je contracte la fesse droite. Bien sûr, la gauche, c'est pas évident de ne pas la contracter. Et, on, off. On relâche. Et boum, le corps retombe. On appelle ça un réflexe. Ah, j'ai plus le nom. Biokinésie ou un truc comme ça, en fait. On apprend à ressentir la contraction. Mieux arriver à relâcher le corps. D'accord? On serre la fesse droite, serre, 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 serre. Laisse monter le corps sur la contraction et boum, off, relâche. Le corps, il enregistre et il apprend à se relâcher comme ça sur les contractions qu'il peut avoir à différents endroits du corps. Là, on est sur les fessiers. Souvent, les fessiers sont contractés et relâche. Encore deux fois, fesse droite. Serre, 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 serre. Tu sens qu'il n'y a pas que la fesse qui se contracte, hein. Il y a aussi un peu l'arrière de la cuisse. Moi, j'ai un peu le pied qui se crispe. Essayez de ressentir tout ça. Relâchez. Dernière fois, laissez monter le corps du côté de la contraction, mais enfin, ça se fait naturellement. Et relâchez. On reste sur la fesse droite, mais cette fois-ci, on va faire contraction, relâchement, contraction, relâchement. Comme ça. D'accord? Je contracte. Attention, hein, ce n'est pas le corps qui balance, hein, c'est la contraction qui fait que mon corps a un léger mouvement. Je ne sais pas si vous le voyez, mais ça agit en diagonale comme ça un petit peu. D'accord? C'est les chaînes croisées qui travaillent. Allez, je vous laisse faire. Contraction, fesse droite, relâchement. Contraction, relâchement. Contraction, relâchement. Ne levez pas le pied, hein. Les pieds restent bien à plat. Le poids du corps est réparti équitablement. C'est juste que je contracte une fesse et je relâche. Ok, on va le faire 10 fois de plus à mon rythme. On essaye 1, 2, 3, 4, 5, contracte, 6. 7, 8, 9 et 10. Relâchez. Ouh, si vous l'avez bien fait, vous avez senti le boulot. Et ça, c'est vraiment un mouvement qu'on peut faire, je sais pas, sur des longs repas, quand on reste longtemps assis à table, par exemple, où on n'en peut plus, tiens, je vais faire mes fessiers. Tac, tac, tac. Et en plus, ça va relâcher les lombaires, ça va travailler sur l'ensemble de la colonne vertébrale. Ou dans les transports, hein, dans les bouchons, si vous êtes dans la voiture, ou des longues heures de route. Eh bien, tiens, on va travailler un petit peu les fessiers lorsqu'on est arrêté à un feu ou bloqué dans les bouchons. Pas en conduisant. Change de côté, contraction très forte de la fesse gauche, le plus possible. Je contracte. Bien sûr, la droite se contracte. Hein, n'essayez pas de complètement relâcher la droite, même si on peut arriver à la relâcher pas mal et rester en contraction. Et interrupteur off, pouf, on relâche. 1. Serre, 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 serre. Redresse ton dos. Ne laisse pas le dos s'enrouler. Relâche. Boum. 2. Et quand tu relâches, vraiment tout le corps vibre. Contracte, 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 contracte. Pouf, relâche. 3. Serre, 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 serre. Tchou. Quatrième. Allez, encore. Serre, 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 serre le côté droit. Sens toute la tension qui vient dans la cuisse. Peut-être dans le bas du dos aussi. Relâche. Encore une fois, contracté. Sans lever le pied, sans trop le crisper non plus, relâchez. Bien, on le fait 20 fois comme tout à l'heure. Contraction, relâchement, contraction, relâchement. Dans 3, 2, 1, à vous de jouer. Tac. Sans
Sentez, il a une petite danse. Hein. Voilà, souple. On contracte que la gauche. Sans bouger le pied du sol. Hein. Ce qui bouge, c'est la contraction de la fesse. Encore 10, 9, 8, 7. Contracte. 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Super. J'espère que vous l'avez bien ressenti. Donc là, on a séparé. C'est le plus difficile. Maintenant, on va faire le plus facile. C'est contracter les deux fesses en même temps. Et relâcher. Contracter et relâcher. Encore. Et je vous laisse bien sentir les fesses qui se contractent et qui se relâchent. Allez-y. Encore 4. Plus fort, plus fort. 3. Plus fort, plus fort. Le corps doit monter. 2. 1. Ok. Et on le fait. Une vingtaine de fois, tac, 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 les deux fesses en même temps. Dans 3, 2, 1, top. 1, 2, 3, 4, 5. Et serre, 6, serre, 7. Redresse ton corps. 8, 9, 10. Encore 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Bien. Je pense que vous avez senti travailler vos fessiers. Là, vous allez ouvrir un petit peu plus les genoux. On va un peu les relâcher. Vous allez laisser pencher le corps vers l'avant. Comme on a fait tout à l'heure quand on était debout. Simplement, là, on est ici. Les jambes sont fléchies. Donc, ça va étirer un petit peu plus la chaîne postérieure. Arrière de cuisse, fessier. Vous laissez aller. Souvenez-vous, le chien qu'on veut apprivoiser, vos muscles, c'est la même chose. Ne forcez pas. Laissez aller. Laissez tomber la tête. Laissez descendre le corps. Alors attention, pour se relever, même si on est assis d'une position comme ça, enroulée vers l'avant, on pose d'abord les mains sur les genoux, ensuite on creuse le bas du dos, et là je m'enlève. Et on repart encore deux fois, laissez glisser, genoux assez ouverts, hein, genoux assez ouverts, on laisse glisser, on laisse glisser, on laisse descendre. Deux, trois respirations pour laisser s'étirer les fessiers. Prenez appui sur les genoux. Aplatissez le dos et redressez. Dernière fois, laissez glisser. Laissez aller. Allez, sentez comme vous avez... Votre corps s'est relâché, comme vous avez gagné quelques millimètres sur cette position. Mains sur les genoux, aplatissez le dos et redressez. Bien. Ok, on reste toujours assis sur notre chaise en bout de chaise. Et là, vous allez tendre une jambe, lever une jambe. Ok, sans vous tenir, si vous pouvez, si c'est trop dur, tenez-vous. Et si c'est vraiment trop dur, laissez le corps aller un peu vers l'arrière. Sinon, essayez de rester vertical et de monter la jambe à l'horizontale, en ayant le genou relativement tendu. Quand on fait ce mouvement, on contracte quoi? L'iliopsoas, un muscle profond de la hanche. Et pour avoir la jambe qui reste tendue, on va contracter très fort le quadriceps. Quatre muscles sur le devant de la cuisse. D'accord? Ensuite, je redresse le corps et là, je vais augmenter cette sensation. Ce qu'on va faire ici, c'est que volontairement, vous allez ramener les orteils vers vous et vous allez serrer, contracter la cuisse de façon volontaire. Et ensuite, on relâche sans laisser tomber la jambe. Donc je relâche mon pied. Là, on ne peut pas le relâcher violemment, sinon ça va tomber à chaque fois. On relâche tranquillement et on revient. Je ramène les orteils et je serre ma cuisse, qui va avoir pour effet de faire tendre mon genou plus fort, sans enrouler le bas du dos. Et relâche. Encore 3 et 1. Tire les orteils vers toi, serre la cuisse, redresse le dos et relâche. Encore 2. Et là, vous allez sentir hein, tout le travail. Si c'est vraiment dur, reposez un peu sur une répétition et puis relâchez. Dernière fois, ramène, contracte, redresse, serre, 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 serre. Et relâchez, posez la cuisse. Waouh ! Je ne sais pas si vous avez senti, mais si vous avez contracté très fort, vous avez senti peut-être un travail dans toute la cuisse. Reprenez la posture, levez la jambe, dites je le jure, tendez le genou et ramenez les orteils vers vous.
Et là, vous contractez, contractez la cuisse. Comme si c'était un seul bloc. On contracte tout, 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 très fortement, et on relâche. Encore. Trois. Allez, ramène. Talons. Contracte. Le genou se tend. Redresse le dos. Serre, 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 serre. Pouf, relâche. Encore deux. Pensez que vous pouvez relâcher une fois si c'est trop dur. Tête. Contracte, 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 contracte. Redresse. Grandis. Et relâche. Dernière fois. Et contracte, 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 contracte. Et relâche. Chaud. Bien. Pour étirer ce muscle, vous avez vu, on travaille sur contraction, relâchement, étirement. Et là, on va vraiment améliorer souplesse, force et mobilité de notre corps dans l'ensemble. Pour l'étirer, ce muscle, au décès, vous allez passer debout à nouveau, prendre l'équilibre sur le dossier de votre chaise et vous allez amener le talon à la fesse. Alors, si vous ne pouvez pas l'attraper, c'est là où la serviette est nécessaire. Vous prenez votre serviette, vous la passez sous la cheville et vous venez ici en essayant de rapprocher au maximum le talon de la fesse. Voilà. Sinon, on attrape le pied. L'idée, c'est de rester très droit, de rapprocher le plus possible le talon de la fesse. Et une fois que vous êtes en place ici, vous allez pousser le bassin. Regardez bien, je pousse le bassin vers l'avant, sans cambrer le dos. C'est mon bassin que je pousse vers l'avant. Je pousse le bassin vers l'avant. Et on reste. Et on reste une petite quinzaine de secondes. Voilà, essayez de bien redresser le dos, de sentir ce bassin qui pousse légèrement vers l'avant, sans cambrer le bas du dos. Quelques secondes encore. Et vous relâchez. Changez de côté, pensez à l'option pour de la serviette, que j'enroule autour de la cheville si j'arrive pas à attraper mon pied. Gardez l'équilibre avec le dossier, ramenez le talon près de la fesse, sans écarter le genou. Le corps reste vertical, les genoux proches l'un de l'autre. Là, vous sentez peut-être déjà un étirement assez profond. Maintenant, il suffit juste de pousser le bassin vers l'avant, sans cambrer le dos. C'est pas la poitrine que j'amène vers l'avant, c'est ma hanche. Je pousse vers l'avant. Une quinzaine de secondes, restez vertical, regardez droit, loin devant. Onze, douze, treize, quatorze et quinze. Relâchez. Étirer la cuisse va aussi étirer toute la partie au niveau du tendon rotulien. Ça peut permettre aussi d'éviter des douleurs au niveau de la rotule. La tendinite du tendon rotulien, justement. Ok, donc là on a bien travaillé le bas du corps. Tout à l'heure on a travaillé un petit peu le dos sur les inclinaisons et étirements. On passe sur le haut du corps où on va travailler un petit peu plus les épaules et la santé de l'épaule. Premier travail qui va permettre de travailler un muscle qui vient dans la stabilité de l'épaule et qui est souvent un peu faible et qui peut entraîner des douleurs. On va travailler le grand dentelé, enfin, le dentelé antérieur, un muscle qui recouvre les côtes ici et qui fait des petites bosses quand on est très sec. On voit des petites bosses ici, c'est le muscle intercostal, enfin il est sur les côtes, pas intercostal, mais il est sur les côtes, le dentelé antérieur. Pour le travailler, il rentre en jeu surtout dans les élévations d'épaule, mais quand les bras sont en l'air. Donc là, vous allez mettre les bras derrière votre nuque et vous allez monter les épaules sous les oreilles et relâcher. Monter sous les épaules et relâcher. Monter et relâcher. On fait comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va contracter, contracter, contracter. Et on laisse tomber, sans tirer sur la nuque, ma tête reste droite. Je monte les épaules et je relâche. Pardon. Alors, le grand dentelé, il est très difficile à ressentir. Vous allez certainement sentir plus le trapèze qui travaille aussi sur l'élévation des épaules. Il faut savoir que les épaules, c'est une fausse articulation. C'est un ensemble d'articulations, en fait, l'épaule. Et qui l'os principal de cette articulation, c'est la scapula, l'omoplate. Donc ici, quand je fais ça, je fais monter mes omoplates et relâcher. Ok ? On monte les omoplates et on relâche. C'est pas que je redresse le dos, c'est juste que je monte les épaules. Et ensuite, je relâche. On y va 8 fois. Montez, gardez la contraction. Montez, 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 montez. Et pouf, off, on relâche. Encore. Monte. Et relâche. Monte.
j'ouvrais bien les coudes. Montez et relâchez. Alors, ouvrez les coudes, sauf si ça vous fait mal quand vous montez ici. Moi, je sens que j'ai une petite tension. Donc, je vais garder les coudes un petit peu plus serrés. Encore deux fois. Monte. Et relâche. On, off. On, off. Ok. Et comme tout à l'heure, on va faire 20 petites montées rapides. Juste les épaules. D'accord? Allez, 3, 2, 1, épaules. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1. Allez, monte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Relâchez. Waouh, ça donne chaud. Je pense que ce mouvement n'était pas très facile à ressentir. On va essayer d'en faire un deuxième, plus facile à ressentir. Et si vous pouvez, lever le bras au-dessus de la tête, tendu ou légèrement fléchi. Et vous allez, regardez ici, monter l'épaule. Monter l'épaule contre la joue et la relâcher. Attention, hein, le défaut, ça peut être ça. J'ai mon coude fléchi, je tends le coude et je replie. Je tends et je replie. Non, le coude, il reste pratiquement avec la même posture. Je monte, oui, je monte et je relâche. Je monte et je relâche. C'est juste un travail ici, trapèze grand dentelé. Et un petit peu les dorsaux pour relâcher. On y va? On le fait 8 fois. 1. Contracte, relâche. Contracte, relâche. Contracte, relâche. 4. 5. 6. 7. 8. Relâchez. Waouh, là vous avez dû sentir. Hein, c'est lourd un bras. Changez de bras. Allez, on monte, on relâche. Et c'est pas la tête qui va vers le bras. Hein. C'est le bras qui vient contre la joue. Et je ne penche pas la tête. Pensez à ça. Essayez de vérifier. 2. 3. C'est pas le coude qui se tend. 4. C'est vraiment ce travail-là au niveau épaule. 6. 7. Et il n'y a qu'une épaule qui monte, pas les deux. 8. 9. Encore. Encore 4. 3. 2. Et 1. Relâchez. Dernier travail, vous allez croiser les pouces, amener les mains au-dessus de la tête, pas la peine de tendre trop les bras, pas la peine d'amener les bras trop en arrière non plus, ce qui vous permet d'être à l'aise. Et là, vous allez monter et relâcher, monter et relâcher. Ok, on y va 8 fois, 8, et relâche. On, contract, 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 et relâche. On, off. 4. 5. 6, 7, et 8, relâchez, bien, faites tourner un petit peu, lâchez la tête, ok, donc là on a travaillé sur la montée des épaules, trapèze supérieur et dentelé antérieur, maintenant on va travailler sur l'abaissement des épaules, un bras à la fois et ensuite les deux en même temps pour que le corps soit bien équilibré. Là, ce qui va entrer en jeu, je vais essayer d'abaisser mon épaule. Vous allez imaginer l'omoplate qui est un os en triangle hein, avec la pointe vers le bas. Et bien, la pointe du triangle, le sommet, va aller vers la colonne vertébrale. On appelle ça un mouvement de sonnette interne. Tac, d'accord. Je vais abaisser et voilà, sans incliner le corps, d'accord. Juste, j'abaisse mon épaule et j'imagine cette omoplate qui rentre vers l'intérieur. Vous laissez vos mains souples et on va faire pareil. On et pouf, relâchez, off. Allez, on contracte sous le bras ici, ce muscle-là, le grand dorsal. Je vais le raccourcir, je vais le rapprocher de la colonne. 8 fois, lentement. 1, contract, 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 pouf, relâche. 2, relâche. 3, contract, relâche. 4, ouais, c'est pas mieux comme ça. On va montrer. Relâche. 5, contract. Attention à ne pas incliner le corps. Hein. Il y a un mouvement, bien sûr, où le corps bouge un peu. Et relâche. On travaille aussi sur la mobilité ici, des vertèbres hein, du rachis, vertèbres dorsales principalement. Allez, une dernière fois. Contracte, 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 abaisse, abaisse. Et relâche. Vous remarquez, c'est un tout petit mouvement, mais qui a l'intérêt, qui est intéressant pour la santé de l'épaule. Et la mobilité aussi de l'omoplate. On y va. Donc, l'autre côté, je vais contracter. Relâchez, contractez, relâchez. Si c'est plus facile pour vous,
Vous pouvez laisser le bras ballant le long du corps. Vous abaissez l'épaule. Moi, je préfère quand il est soutenu et relâche. Sentez bien la contraction sous le bras. Contracte le muscle sous le bras, grand dorsal et relâche. Encore 4. Et relâche. Laissez la tête dans l'axe, mais ça va agir sur la tête, le fait de baisser l'épaule. Hein, ça va tirer un petit peu sur le cou et ça peut faire incliner légèrement la tête. Encore 2. Relâche. Encore 1. Relâche. On le fait avec les deux épaules à la fois. C'est-à-dire, je vais imaginer mes deux omoplates qui se rapprochent en bas vers la colonne vertébrale. Et ce mouvement, faites-le, abaissez, contractez, 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 relâchez. Remarquez que quand vous faites ce mouvement, il a tendance à faire redresser la poitrine. Il fait redresser la colonne vertébrale. Et on relâche. Encore 6 fois. Contracte, abaisse, 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 abaisse. Et relâche. Observez là, avant de faire le mouvement, je vous le montre une fois, regardez bien, mes mains qui sont relâchées, quand je contracte, vous voyez, elles s'ouvrent vers l'extérieur. Et quand je relâche, elles reviennent vers l'intérieur. Les coudes qui sont chez moi plutôt vers l'extérieur, quand je contracte, ils se resserrent près du corps. Et quand je relâche, ils reviennent en posture. Les épaules se referment. Essayez de sentir tout ça sur les 6 mouvements qui restent. Allez, contraction, 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 contraction. Abaisse, 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 abaisse. Resserre les omoplates. Et relâche. Attention, hein, c'est pas ce mouvement-là. Hein. Je ne tire pas les omoplates vers l'arrière, je les abaisse. Il vous en reste 4 pour bien y arriver. C'est pas tirer vers l'arrière, c'est abaisser. Abaisser. On y va? Allez, 1. Et relâchez. Encore. 2. Et relâchez. Encore 1. Et relâchez. Dernier. Et relâchez. Bien. Donc on a travaillé sur la stabilité de l'épaule. On va faire, tiens, celui-là justement, de serrer les omoplates, mais horizontalement. On va rapprocher le bord interne de l'omoplate des omoplates l'une de l'autre. Et donc on va serrer, tirer les épaules vers l'arrière et relâcher. Ok, tout à l'heure on a baissé, il y avait un tout petit mouvement. Là je viens tirer vers l'arrière, donc là ça fait sortir la poitrine et on relâche. Et 1, contracte, 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 contracte et relâche. Et 2. Allez, serre, 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 et relâche. On. Contracte, 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 contracte. Et relâche. Encore. Il en reste 4. 4. Allez, serre, serre, serre plus fort. Tes omoplates se rapprochent, elles se touchent. Et relâche. 3. Contracte. Les omoplates se touchent. Et relâche. 2. Là, on est sur le trapèze. Sur les muscles rhomboïdes, petits et grands, et relâche. Encore 1. Et relâche. Bien. Alors, ça me vient à l'idée, un petit conseil, hein, c'est quand vous sentez par exemple un torticolis, vous avez une tension d'un côté, et bien essayez ça, essayez de contracter justement le côté qui est déjà contracté, essayez de le contracter volontairement, et pouf, faire un on-off. Sur un côté contracté, si c'est une douleur dans le dos, et bien essayez de contracter la fesse ou la partie contractée. Et bien volontairement, vous la contractez plus et vous relâchez. Et peut-être qu'au bout de 4, 5, 10 fois, et bien le muscle il va comprendre qu'il faut qu'il se relâche et vous allez vous soigner, vous auto-soigner grâce à ça. Ok, bien là on a travaillé pas mal les contractions des muscles du dos, en bas, en haut. Et bien on va étirer tout ça. C'est tout simple. Vous croisez les doigts. Et vous allez avancer les épaules. Ça, je vais me mettre de profil pour vous montrer. Votre dos est bien droit. Vous croisez les doigts et vous avancez les épaules sans arrondir le dos. J'avance les épaules, j'avance, j'avance, j'avance. Comme si on me tirait par les poignets, mais que je ne voulais pas venir. Donc je laisse mon dos à sa place. J'ai juste mes bras qui avancent. Vous allez sentir s'étirer l'arrière des épaules. Sans avancer la tête. Et relâchez. On le refait une fois. On tend les bras à ligne de poitrine et on avance les épaules au loin, au loin, au loin, au loin, au loin. Et relâchez. On le fait une dernière fois. Ici, c'est les pectoraux qui se contractent hein, et un peu le triceps sur l'extension des bras. Allez, allongez, allongez, allongez. Garde le dos toujours vertical. Et relâchez. Bien, et bien maintenant on va faire le même mouvement, mais on va laisser le haut du dos s'enrouler.
Donc vous avancez vos omoplates et là vous laissez le dos s'enrouler jusqu'au milieu. On laisse la tête tomber entre les bras. Et on revient vertical. On le fait trois fois encore, deux fois. D'abord j'avance les épaules, ensuite je laisse s'enrouler. C'est toujours une histoire d'énergie. Quand je dis je laisse s'enrouler, moi ce que je fais c'est plutôt que je ne m'enroule pas vers l'avant, d'accord? Je pousse mon dos vers l'arrière, je l'enroule vers l'arrière. Vous voyez, je rentre le ventre, je tire les bras vers l'avant, je rentre le ventre et la tête. Et mon dos s'enroule, ce que je dis vers l'arrière. Hein. La force est plutôt vers l'arrière qu'un enroulement vers l'avant. Mes bras restent toujours à la même hauteur. Maintenant, avec ces explications-là, on va le faire deux ou trois fois de plus pour que vous ayez la bonne sensation. Étirez les bras vers l'avant, ils restent horizontaux. Et là, je vais enrouler mon dos avec la force qui le tire vers le dossier. La tête s'enroule, le ventre est rentré. Et on revient. Une dernière fois. Allez, on roule. Et relâche. Bien. Excellent, excellent travail. Bien, ici vous allez simplement faire bouger votre corps de façon très très souple, comme si vous dansiez sur votre chaise. Arrête de danser sur ta chaise, écoute. C'est ce qu'on dit souvent à l'école. Hein. Allez, mais là on a le droit de danser sur sa chaise. Voilà. Une épaule après l'autre et on change de sens. Une épaule vers l'avant et puis l'autre. Les bras sont souples. Voilà, vous laissez votre corps se relâcher complètement. On l'a bien travaillé en tension. Ok, et on va souplement aller sur une hanche et sur l'autre. Les jambes restent dans l'axe. Souple. Et vous restez bien droit. Les torsions, il faut essayer d'être le plus souvent vertical pour bien protéger sa colonne. Le menton par-dessus l'épaule. Voilà. Voilà. Bien. Revenez dans l'axe. Vous allez croiser vos mains sur vos épaules. Les coudes se posent sur la poitrine. Et on vient faire un cercle avec le corps. Voilà. Je tourne toujours dans le même sens. On ne pense plus dos droit, dos rond. On laisse faire. Voilà. Souple. Souffle. Vous descendez jusqu'à ce que les coudes touchent les cuisses, quoi. Vous laissez les jambes souples. Changez de sens. Souple aussi au niveau de la tête. Un dernier. Et vous revenez dans l'axe. Bien. Et puis doucement, vous allez relâcher la nuque en petit cercle également. Souvenez-vous, même en fin de cours, hein, on ne surprend pas le corps. On y va doucement sur l'amplitude sur les premiers mouvements. On apprivoise son corps, ses muscles, ses os, ses tendons, ses ligaments. Changez de sens. Lâchez bien les bras, les épaules. Ok, ramenez votre tête dans l'axe. Prenez quelques secondes si jamais ça tourne un petit peu. Et puis vous allez allonger une jambe devant, garder l'autre fléchie. Et on va venir. Alors pareil, si vous avez besoin, vous prenez la serviette. Comme à l'assaut, vous attrapez le dessous du pied, hop, voilà, et comme ça vous allez pouvoir vous pencher vers la jambe en raccourcissant progressivement la serviette. Si vous n'avez pas besoin de serviette, eh bien le talon est bien planté dans le sol et on vient chercher avec les deux mains le pied de la jambe tendue, les orteils. Et là vous laissez le corps s'enrouler, se poser sur le sur la jambe fléchie à la limite, on laisse enrouler la tête vers le genou. Et
Essayez d'avoir la jambe tendue, hein, la jambe droite, pour étirer l'arrière de la cuisse. Les orteils bien, le pied bien relevé. Lâchez les épaules. Et vous allez imaginer que vous respirez dans l'arrière de la jambe, dans toute la colonne. Quand j'inspire toute, je fais circuler l'oxygène dans tout le corps. Quand je souffle, j'envoie toutes les toxines à l'extérieur de mon corps. Inspire. Essayez de tendre ce genou, de descendre la tête un peu plus. Sentez tout l'étirement derrière la cuisse, dans le dos. Attention, pour vous relever, vous allez poser une main sur la jambe fléchie, la main gauche sur le genou gauche, et vous allez poser la main droite sur la main gauche, et vous allez pousser le genou pour vous relever à la force des bras et pas à la force du dos, pour éviter de vous blesser le dos. Et vous allez changer de jambe. Fléchir la jambe droite, bien la poser à plat, tendre la jambe gauche, le genou gauche, ramener les orteils vers soi. Soit j'utilise la serviette, soit je viens chercher le pied. Une fois que vous êtes en place, vous laissez la tête s'enrouler. Vous devez sentir l'étirement dans toute la cuisse. Maintenant, concentrez-vous sur la respiration comme un circuit, comme un cercle. J'inspire, j'expire. Et ça nettoie le muscle, ça nettoie le corps. Ça l'alimente. Ça le nourrit. Lâchez la tête, les épaules. Prenez appui sur votre genou avec la main droite, la main gauche sur la main droite, et repoussez. Yes. Allez, dernier. Bien assis, bien fier, bien droit. Vous croisez les doigts. Et vous amenez les bras tendus au-dessus de la tête. Regardez vos doigts. La tête est donc vers l'arrière. Inspirez. Et en soufflant, ouvrez. Relâchez les épaules. Encore. Inspire. Étire. Regarde tes mains. Et en soufflant. La tête revient devant. Les bras se relâchent. Et on sent quand les mains reposent sur les cuisses, les épaules qui relâchent. Dernière fois, inspire. Et relâche. Et vous posez quelques secondes juste pour ressentir le relâchement du corps. Imaginez là, vous êtes au compteur général de votre corps et vous abaissez la manette pour enlever toutes les tensions dans tout le corps. On imagine ça, on coupe le compteur général et on sent tout le corps relâché. Sentez comme moi, vos fessiers sont mieux posés maintenant, mieux assis. On les a tellement contractés, relâchés qu'ils ont choisi le relâchement complet. Sentez comme vos épaules sont détendues, le dos est relâché, la nuque est détendue. Quelques respirations. Bien. Voilà, on arrive à la fin du cours. Donc, si vous y avez une chose à retenir ici, c'est vraiment cet interrupteur on-off, contracté, relâché. Si vous avez une tension musculaire quelque part, essayez de la contracter très fortement et de la relâcher d'un coup, plusieurs fois, pour permettre au corps de comprendre ce que vous voulez de lui, qu'il relâche cette partie douloureuse. Bien, j'espère que ce cours vous a plu. Je vous dis à mercredi prochain, ça va être le dernier cours avant le mois d'août, je crois. Et après en août, il n'y aura pas de cours et je reprendrai très certainement en septembre. Dites-moi si ça vous a plu, dites-moi ce que vous avez ressenti, hein, les petits commentaires. Vous retrouvez ce cours en replay, bien sûr, sur ma page Facebook. Voilà, on se retrouve mercredi prochain, 12h15, pour un travail comme ça, santé du corps, prise de conscience de son corps. Pour ceux qui veulent, ce soir, 19h, cours dynamique et physique, ici même, à Bayonne, peut-être dans la salle de
le fitness de l'hôtel, mais on verra, parce que souvent il y a du monde, donc c'est difficile de faire un cours en même temps que les gens et de porter le masque en plus. En faisant le cours, c'est un peu plus difficile que dans ma chambre d'hôtel, c'est plus évident. Voilà, ben, je vous dis à très bientôt, bon appétit si vous n'avez pas encore mangé, prenez soin de vous, prenez soin de votre corps. Salut, je vais appuyer sur l'interrupteur off. Allez, salut, salut.